That feeling in the pit of your stomach, that inner fire, that pushes you to outdo yourself, to take risks, to shine. It's what brought you here. Lead on. Cette collection-là est une collection principalement qui représente des monuments de Dubaï et que j'ai tenu à faire parce que c'était vraiment un challenge pour moi de recréer des monuments sans faire des œuvres carte postale. Donc c'était, je voulais vraiment me mettre au challenge. Donc j'ai visité Dubaï pendant 5 jours. J'ai visité, comme vous voyez, le désert, Atlantis, les bâtiments, Burj Al Arab, Burj Khalifa, etc. Et je suis revenu dans mon atelier à Maurice en essayant de me remémorer l'expérience que j'ai vécue, plutôt ce que j'ai vu. Donc le ressenti que j'ai essayé de traduire sur des toiles. Et aussi, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas peint sur des toiles parce que je peins en général sur du papier. Donc, c'était un double challenge. Je voulais vraiment faire des peintures, des belles peintures de Dubaï et qui aussi reflètent mon style. J'ai été appelé par Emirates. Ils m'ont demandé gentiment de si j'étais intéressé de collaborer avec eux ou de faire une exposition et de donner mon interprétation de Dubaï. Donc tout de suite j'ai dit oui, j'avais jamais visité Dubaï avant. C'est une culture qu'on connaît tous de loin ou qu'on a visité Dubaï. Et moi ce qui m'intéressait c'était de découvrir le Dubaï que tout le monde ne connaît pas, le Dubaï authentique, le vieux Dubaï. Et c'est ça aussi que j'ai essayé de retranscrire chez cette série-là. Je peins beaucoup sur papier en ce moment, je prépare une série qui s'appelle Art Vandalism, qui a été créé depuis déjà des années, qui est en continuation. Et donc vous avez une pièce qui fait partie de cette série-là, qui est la 380, qui est une base photographique. La photo est imprimée en noir et blanc sur du papier d'archive, et ensuite vandalisée à la peinture. Donc en ce moment, c'est vraiment ce que je suis en train d'essayer de développer sur des portraits et éventuellement aussi aller sur des bâtiments, sur des animaux, à ma façon. On a vu qu'il y a un artiste, pourquoi pas essayer de lui donner la chance d'aller à Dubaï, de faire des portraits et des arts qu'on puisse projeter ça à l'extérieur aussi, étant qu'à Maurice aussi. Et en même temps, comme vous avez entendu, lui-même il est parlé, il était très content d'être à Dubaï, de voir. Et moi, quand je suis arrivé aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'il a fait, je reconnais partout tous les endroits qu'il a fait. Et c'est vraiment, c'est comme si vous êtes à Dubaï, vous vivez, les gens qui connaissent, vous vivez, ça se passe. Hein. C'est un Mauricien qui a fait tout ça. Et comme il a des contacts aussi à l'extérieur, pour le pays, c'est bon. C'est un jeune, il fait des arts et il est connu. Hein. Il va encore être connu pour avoir fait des arts avec Emirates.